glauben ja, Landtechnik ist Technik von gestern. Viele denken da noch an Pferde und an Holzpflüge und an alles Mögliche. Aber Landtechnik ist Hightech. Landtechnik spielt sich weltweit ab. Wir sind heute überall unterwegs, aus allen Kontinenten. L'agricole est beaucoup plus complexe, utilisé partout dans le monde, utilisé chaque jour, chaque nuit. Et pour cela, il faut vraiment une qualité extrêmement élevée. Il faut répondre aux exigences et cela nous motive chaque jour. Voilà, bienvenue à l'événement Horschleif. On va donc parler des plantes, culture. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans le chat. À la fin de la présentation, on va pouvoir en discuter. Voilà, donc maintenant on va parler du colza. Une culture qui est utilisée dans beaucoup de fermes agricoles, qui est aussi liée à un rendement élevé normalement. Mais pendant les dernières années, on a vu assez de problèmes, par exemple en ce qui concerne les insectes. Et dans plusieurs régions, on a vu que les rendements n'étaient pas satisfaisants, même décevants parfois. Donc, quelle est la situation actuelle? Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre l'année prochaine en ce qui concerne la récolte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour générer de bons rendements? Voilà, on a invité M. Ferenc Kornis. Bienvenue. Merci. Ferenc, tu as grandi aussi en Hongrie, une exploitation agricole. Maintenant, tu es même directeur général chez Nu Agrar et tu vas maintenant nous présenter quelques informations très intéressantes et après on va pouvoir en discuter. Oui, merci. Le colza, c'est vraiment une culture normalement, donc culture rentable. En Allemagne et dans d'autres pays, la culture jusqu'à maintenant était plus ou moins rentable, mais parfois il y avait des années qui étaient décevantes. Cette année aussi, en Allemagne, n'était peut-être pas catastrophique, mais il y avait une deux régions en Allemagne où il y avait assez de problèmes, où les récoltes étaient vraiment terribles. On avait moins que 2-3 tonnes seulement de récoltes. Michael l'a dit déjà, il y a les insectes et aussi la météo, deux facteurs qui nous ont posé assez de problèmes cette année. J'aimerais bien donc vous parler de cela. J'aimerais bien analyser pourquoi cette année, donc 2021, n'était pas satisfaisante. Mais en mai, juin, on avait encore espéré que l'année allait devenir mieux, mais voilà, on peut peut-être en tirer les leçons pour l'année prochaine. Donc, si on regarde un peu les rendements des dernières années en Allemagne, on voit qu'on a eu souvent des chutes. En 2003, par exemple, c'était donc lié à l'humidité après la sécheresse. En 2007, on a aussi donc eu beaucoup de sécheresse, une grande chaleur. Et en 2011, humidité. 2018, tout le monde s'en souvient peut-être. C'était l'année, une année très très chaude, très sec, très sèche. Donc en 2014, les rendements étaient bien. En 2020, c'était aussi pas aussi mal que ça.
Mais cette année, malheureusement, on a connu une chute de 5 à 6 % et en Allemagne, donc, on a vécu donc, des rendements très décevants. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? On a eu donc une récolte deux semaines plus tard, en printemps. Pardon, le printemps, la saison a commencé deux semaines plus tard. Après, il y avait des conditions météorologiques pas idéales, sécheresse, chaleur. Donc, ça n'a pas, ce n'était pas idéal pour le colza. Si on compare les landes de l'Allemagne et si on compare les rendements, on voit que les régions importantes comme la Mecklembourg-Poméranie occidentale, où on a normalement entre 200 à 250 hectares de colza, on voit que le rendement a vraiment baissé de 10% dans le land de Schleswig-Holstein. Dans le passé, les récoltes, les rendements étaient vraiment impressionnants, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Dans d'autres landes, on voit que où la culture du colza n'est pas aussi importante, on voit que les différences ne sont pas aussi grandes, mais quand même entre 2019 et 2020, on voit de petites différences. Ça dépend de la région. Et dans ces landes, le colza n'était pas les rendements du colza, donc dans beaucoup de landes n'étaient pas impressionnants. Quels sont les facteurs qui influencent le rendement du colza? Tout d'abord, la densité de population. Si donc il y avait une levée du colza, on peut s'attendre donc à 25 à 40 plantes par mètre carré. Donc si au début il n'y a pas beaucoup de plantes, il peut quand même compenser beaucoup. Cette capacité de compenser cela est faite par la densité des grains et aussi le poids du grain. Le PMG entre 75 000 à 110 000 grains par mètre carré, donc c'est 4 à 6 grammes en ce qui concerne le poids du grain. Donc à Schleswig-Holstein, par exemple, donc en Land, en Allemagne, on peut s'attendre à un PMG de 6 grammes. Et donc, ça peut mener normalement à un rendement de 6 000 tonnes, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Tout d'abord, il y a la météo. Tout d'abord, donc la météo, mais aussi les organismes nuisibles et aussi les carences en nutriments. Et aussi les maladies des plantes. La météo a évidemment une forte influence sur le PMG, le poids du grain. Lorsqu'on connaît une période chaude, où on a 35 degrés, évidemment, ça mène à un très mauvais rendement, mais aussi l'humidité. Lorsque le sol est trop humide, on a un problème avec les racines, parce que les fines racines commencent à mourir. Cela a aussi un impact sur le PMG, mais aussi la densité des grains. Il y a aussi d'autres facteurs comme le froid, le gel, la lumière, souvent sous-estimée. Ça vaut pour le blé, mais aussi pour le colza. Si on n'a pas assez de lumière, on n'a pas assez de pollen. Et donc, ça a moins de fécondation, évidemment. Donc, on peut dire, oui, on a assez de pluie, mais si on n'a pas assez de lumière, cela a un impact négatif sur le rendement. En ce qui concerne les organismes nuisibles, lorsqu'il y a un insecte qui détruit le colza de l'intérieur de la plante, évidemment, c'est nuisible. Ça a un impact sur l'approvisionnement en eau et en nutriments. Donc, les organismes nuisibles
auquel on fait face souvent, c'est l'altiz du colza, mais aussi le charançon, puis la hernie du chou et la sclérotinia, parce que ces maladies-là affaiblissent le colza davantage. Cela a un impact négatif sur le PMG. Finalement, il faut aussi mentionner les carences en nutriments. Quels nutriments sont importants? L'azote, le phosphore, mais aussi les petits micro-éléments. Les dernières années, il y avait donc un problème d'azote parce que les prix ont augmenté. Est-ce qu'il faut donc utiliser de l'engrais? On se posait souvent la question, est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser? Donc, si le colza n'a pas assez de nutriments, ça a évidemment un impact négatif sur le rendement, puisqu'il y a un impact négatif sur le bourgeon. Une deux images du colza. Lorsque le colza souffre du gel, l'étape précoce, et c'est 57 par exemple, on voit donc les impacts sur le colza. Le colza, lorsqu'il y a du gel plus fort, a même des endommagements au niveau de la tige. Et lorsque le gel est vraiment fort, donc moins 5 degrés pendant le bourgeon, on peut voir à gauche, donc deuxième image de gauche, qu'il y avait des endommagements, des bourgeons. Et donc, il manque même parfois les gousses. Ça se voit dans les deux images à droite, que les bourgeons étaient là. Donc, il y avait une fécondation, mais tout d'un coup, ils sont devenus jaunes. Et après, donc, il manque une étage entière. Vous pouvez aussi voir cela à droite. Donc, il manque une étage, c'est dû au gel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, le gel? Si on voit que il y a moins 5 degrés, est-ce que c'est déjà du gel? Oui, mais il est important, donc, combien de jours ce gel est là? Donc, s'il commence le matin, par exemple, et le soir, les températures augmentent, le risque. Donc, si le gel dure plus longtemps, le risque est beaucoup plus grand. Voilà. Ou si le gel arrive tout d'un coup, évidemment. Et là, il ne faut pas seulement donc prendre en compte le gel, mais aussi les températures plus basses, donc plus froides. Lorsque, pendant 10 jours, par exemple, avant la floraison, les pollens sont générés. Et lorsqu'on a donc des températures en dessous de 3 degrés, le système est affaibli. Et cela a des conséquences. Le colza. N'a pas assez de pollen. Et lorsque le colza ne sent pas fortement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pollen, puisqu'il n'est pas fécondé. Et donc la fécondation des gousses n'est pas optimale. Et on n'a pas assez de grains par gousse. Donc là, les températures réduisent notre densité de grains. Et ça a donc une influence sur la fécondation, le remplissage de grains. Et les températures, si les températures ne sont pas assez hautes, cela a aussi un impact sur notre sur l'huile et aussi le PMG.
la teneur en huile et le PMG. Donc, on peut donc, si on voit que le colza et les plantes sont vertes, on peut croire que tout se passe bien, mais finalement, si les températures ne sont pas assez élevées, on va voir que le rendement n'est pas suffisant. Et là, plusieurs exemples donc, sur de, l'influence de, des températures, donc de la, la, le froid. Madame Utekopf m'a envoyé une image où on voit très bien là que la gousse n'est pas, donc elle n'a pas assez de grains. Et c'est là, c'est dû aux problèmes qui ont, aux problèmes pendant la fécondation. Donc, on peut croire que oui, là, on a donc assez de pellicules, donc de fourreaux, mais on peut voir que les grains des gousses ne sont pas assez. Et donc, c'est traduit donc, par un rendement moins élevé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? En automne, on a quand même eu de bonnes conditions lors du semis. En Allemagne de l'Est, c'était bien, c'était humide en octobre. Au sud de l'Allemagne, un peu trop élevé peut-être, trop humide, mais la formation des racines était assez bien normalement. Et après, en novembre, donc, les racines ont poussé, mais en décembre, c'était pas encore vraiment, il ne faisait pas vraiment froid. Donc le colza a continué à donc, pousser. Et lorsque le colza continue à pousser, il a besoin de nutriments. Et donc là où l'azote n'était peut-être pas assez, il y avait une carence en azote. Le colza a donc subi ses conséquences de cette carence. Et donc, ça s'est traduit par un manque de bourgeons. Donc, la croissance au début était bien. En printemps, on avait en février des températures très froides et après, fin février, une forte croissance, donc augmentation des températures, 20 degrés, mais après encore une végétation très faible. Et on a donc, en avril, est devenu très froid normalement. Donc, c'était 3 degrés moins, donc plus froid que les années précédentes. Donc, c'est vrai que le colza a pu pousser, continuer à pousser, mais en Allemagne, donc, c'était un peu trop humide. Cela a eu un impact négatif sur les croissances. Après, il y avait la pluie. Et donc, si on continue, donc en mai, on a, donc, il faisait 2 à 3 degrés plus froid que normalement. Donc, en mars, avril et mai, il faisait plus froid. Donc, il y avait une, on a perdu 2 semaines de végétation grâce à ces températures. Mais le colza voulait pousser. Et donc, en mai, en l'ouest et au sud de l'Allemagne, on n'a eu pas assez de lumière. Et dans quelques régions, il était donc trop humide. Et en l'est, il y avait une autre région où, au début, il était assez sec, c'était bien. Mais lorsqu'il y a donc du froid et de l'humidité, on avait une densité de grains très faible et aussi un PMG très faible. En juin, il faisait très chaud, en moyenne, c'était normal, mais il y avait deux jours où il faisait très donc, froid et très chaud, donc le 14 juin, très froid, le 18 juin, très très chaud,
34 degrés, mesuré à une hauteur de 2 mètres. Donc près du sol, on avait encore des températures plus élevées. Et cette combinaison, donc cette croissance des températures a eu un impact très négatif sur notre PMG parce que jusqu'alors, les plantes étaient très vertes et tout avait l'air très bien, mais après, les plantes sont devenues jaunes. Et donc, on a commencé à se poser la question, est-ce que le rendement cette année va être satisfaisant? Et donc, on a vu que c'était vraiment le moment où les plantes sont devenues jaunes. Comment est-ce que le colza se forme normalement? Donc, au début, on voit, donc là, c'est la phase où les feuilles poussent jusqu'à 4 feuilles, plus ou moins, et après, 6 à 12 feuilles, le colza forme déjà des bourgeons. Et là, lorsqu'il a déjà 12 feuilles, la formation des bourgeons est finie, plus ou moins. Et après, lorsqu'il pousse encore, le colza veut pousser. On peut donc évidemment le réguler, mais après il commence aussi lorsqu'il y a une carence en nutriments, il tire les nutriments des feuilles plus âgées vers les feuilles plus jeunes. C'est pas toujours un avantage parce que lorsqu'il fait cela, lorsqu'il tire les nutriments, il y a évidemment une carence dans les bourgeons. Et donc, il n'y a pas assez de bourgeons pour le printemps. Mais ça, ce n'est pas toujours évident à cette époque-là, lorsque l'hiver est assez chaud et le colza pousse très vite. Ou il entre dans une période de carence, il y a une différenciation des bourgeons et finalement le nombre des bourgeons est moins élevé. Souvent, ce sont les bourgeons qui sont déjà là, sont encore là, mais ils sont beaucoup plus sensibles au printemps lorsqu'il y a du gel, par exemple, ou une autre influence extérieure. Ils sont moins résistants. Là, on ne peut pas faire grand-chose. On peut changer les périodes de semis un petit peu, mais on ne peut rien faire contre les hivers chauds. Et en printemps, il y a donc une réduction de bourgeons, de gousses. Et après la floraison, il y a donc le remplissage de grains. Et vous voyez que ça se passe. Donc il y a l'automne, le printemps, l'été. C'est le déroulement idéal. Et cette année, on a déjà eu donc du gel en printemps, la nuit, mais aussi pendant la floraison, en combinaison avec le froid. Et après, donc, la floraison était retardée. Parfois, on a eu donc, aussi de la pluie en même temps. Donc, cela a mené à la maladie sclérotinia, donc, ce qui a encore mené aux endommagements des plantes. Et donc, pendant la phase de remplissage de grains, il faisait froid et très chaud après. Pas pour longtemps, juste quelques jours, mais c'était assez pour détruire les plantes. Et normalement, si en hiver, en automne, lorsqu'on a de longues automnes, de longues hivers, le colza commence déjà à pousser, on perd du temps en printemps. Donc le colza veut déjà pousser très très tôt, donc en février par exemple, il serait déjà prêt.
mais ça veut dire qu'il est moins résistant. Et pendant ce temps, il y a des gels, pendant la nuit par exemple. Donc, c'est comme ça que ça se traduit. Le colza qui commence déjà à donc, devenir violet en automne, ça se peut qu'il perd ses feuilles en février parce qu'il a déjà tiré les nutriments de ses feuilles vers les feuilles plus jeunes. Il faut éviter cela. On ne peut pas juste donc apporter plus d'azote. Là, on est limité. Et donc, c'est l'exemple donc pour un colza qui est limité dans sa croissance. Le colza dans ces périodes plus sensibles, donc en mars, en avril, il est donc pas résistant au froid et au gel. Et le problème, c'est qu'à la fin, le colza ne peut plus le compenser avec le PMG. Il y a donc soit il y a de la chaleur ou il est affaibli par les nuisibles, par exemple, ou par les maladies. Et il y a aussi l'altise du colza. Il y avait une infestation d'altise du colza. Cela atteint les feuilles, mais aussi les tiges. Donc, ils sont entrés dans la tige, dans les tiges, et donc cela a mené à un rendement de 2 à 2,5 tonnes seulement. C'est évidemment problématique. On ne peut pas résoudre ce problème maintenant. C'est trop tard pour cette année, mais il faut faire quelque chose pour l'année prochaine. Il faut donc prévenir les maladies, il faut lutter contre les nuisibles et il faut assurer une alimentation. Et une photo comme ça, c'est une situation inacceptable. Si j'ai une longue floraison, je peux avoir le sclérotinia. Donc là, il faut faire quelque chose deux fois et peut-être dans une phase précoce, mais et une deuxième fois vers la fin de la floraison. En ce qui concerne les charançons, il est important de savoir que les... et ça, c'est une photo prise en février de cette année. Si j'ai une cuvette jaune qui est très pleine et donc on avait 15 degrés auparavant et donc il y avait des charançons de tiges et si je ne réagis pas, ça va se répandre, il y aura une pondaison et la tige sera pleine de larves. Ça, c'est inacceptable. Sur le côté à droite, nous voyons donc si la plante n'a pas été endommagée par le charançon de la tige du chou, la pousse principale est endommagée et elle est responsable de 20 à 25%. Et comme ça, une telle situation est inacceptable et va réduire le rendement. Il faut absolument faire quelque chose dans les 2 à 3 jours après la pondaison. Le charançon de la tige a une forme, une pondaison de 2-3 jours et le charançon de la tige du chou peut-être met un peu plus longtemps. Mais il peut peut-être également avoir des espèces précoces. Je vois que la cuvette jaune, elle doit être placée au bon endroit. Et il faut vraiment, si je veux lutter contre le charançon de la tige du chou, il faut mettre la cuvette jaune au bord.
Et s'il s'agit du charançon de la tige, il faut le mettre entre les différents champs de colza. Et là, il faut voir que, aussitôt que possible, je puisse observer. Ça n'a aucun sens si je le mets quelque part. Et je me rends compte de cela une semaine plus tard. Et je me suis dit, bon, d'accord, dans la cuvette jaune, il n'y avait rien. Il y a quand même un dommage. C'est le mauvais endroit qui a été choisi pour la cuvette jaune. Alors, quels sont les mythes? Par exemple, il va faire froid. Il est peut-être un peu moins actif, mais on a encore du temps jusqu'à la pondaison et il va faire froid. Ça, ce sont aussi des choses qui ne marchent pas. Si on a un charançon et si c'est, il y a quand même, les feuilles vont être détruites. Peut-être on ne le voit plus parce que le charançon est déjà sur la plante et pas dans la cuvette, mais il faut regarder les plantes. Parfois, je bois plus sur la plante que dans la cuvette. Ça, c'est justement cette situation. Et par rapport donc au méligène, je ne trouve pas que c'est très difficile. Visuel, c'est bien sûr le nuisible beaucoup plus grave, mais ça a moins d'influence sur le rendement. Il y a par exemple... il faut vraiment observer et si on regarde donc la tige, la situation est beaucoup plus détendue. Et ça, par exemple, si on a, les gens disent il n'y a plus de floraison, non, non, parce qu'il y a aussi les pousses latérales où il y a la floraison ou bien la part des métigette, pardon, est plus redite, mais on s'affole en cas de méligette. Et je reviens sur les charançons. Les charançons sont les nuisibles les plus graves. Il y a le charançon de la tige, et ça, c'est bien sûr une porte d'entrée pour d'autres nuisibles et on sait que on n'a plus la possibilité après l'introduction du thiachloride la possibilité de faire quoi que ce soit contre les moustiques et si on se concentre trop sur le méligète on oublie de regarder quels sont les nuisibles, l'autre nuisible, à savoir le charançon. Et donc, comme ça, je peux également réduire les moustiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre les altises? Pour moi, ça signifie que lors du semis, dans une région où je suis fortement exposée aux altises, il faut plutôt semer de manière plus précoce. Alors, ça ne marche pas parce que nous voyons que les altises détruisent la plante, mais ce n'est pas la feuille qui est détruite, mais c'est la pondaison des plantes. Si j'ai une forte plante, cette plante a une tige plus forte et la larve va manger plus longtemps et
Mais l'avantage, une telle plante peut résister à plusieurs larves, peut résister et compenser ces larves et peut former un certain rendement. Mais si vous semez plus tard, la plante est moins résistante, il y a peut-être moins d'altise, mais le dommage est plus fort. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux. Nous savons que les pyrétoïdes n'ont pas un très long effet. Après 3-4 jours, il n'y a plus d'effet. Et nous savons qu'il faut passer avec la lance tous les 3 à 4 jours. Nous savons qu'il y a également des résistances contre les pyrétoïdes. En ce moment, il n'y a pas une résistance complète et nous savons que nous avons également que nous avons un bon effet avec les pyrétoïdes. Par contre, il y a une très forte pression et malheureusement, il faut passer tous les 3-4 jours si on veut maintenir notre récolte. Ensuite, les pyrétoïdes doivent être aussi sûrs que possible. Là, il y a des pyrétroïdes formulés en CS qui sont plus sûrs. Il faut vraiment investir 1 euro en plus pour avoir une meilleure sécurité en combinaison avec l'acide. Malheureusement, nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit contre les altises. Peut-être il y a quelques larves qui vont absorber les pyrétroïdes. Vous avez à droite le colza. Là, on a un problème. D'un côté, le colza qui a été semé l'année avant, et là, les altises vont passer de l'autre côté et vont mettre tout de suite faire une pondaison et les œufs. On ne peut pas réagir. Donc là, il faut vraiment empêcher cela et donc faire une jachère à droite, par exemple. Ensuite, nous passons au point suivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne l'alimentation? À gauche, vous le voyez bien, il y a une carence en azote. En automne, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, il faut savoir déjà avant si le colza est bien alimenté. Le blé avant, par exemple, a absorbé beaucoup d'azote. Je sais qu'il n'y aura plus beaucoup d'azote dans le sol. Je peux réagir en réduisant le nombre de plantes, mais à droite, vous avez la situation suivante. Ça, il y a un sol très mort et tout à coup, au printemps, à la mi-mars, on a vu que les fleurs sont devenues jaunes. Il y avait un gel. Et si je sais, je peux réagir. Je peux, par exemple, avec le cuivre en automne et au début de la végétation, je peux réagir. Mais dans une telle situation, je sais, s'il y a une grande teneur d'humus, il faut faire quelque chose déjà en automne. Par exemple, je peux aussi, en cas de beurre, on le sait, on contrôle toujours.
Nous avons des symptômes de Beur, ça on le maîtrise, mais nous voyons quand même que parfois on a un problème. Et pour moi, cela signifie qu'il faut avoir recours à une analyse de plantes. Et si je suis au printemps et je vois qu'il n'y a pas assez, une absorption assez rapide de nutriments, je peux peut-être apporter de l'azote grâce aux feuilles. L'analyse des plantes va me montrer où j'ai un problème. Je vous recommande de faire encore maintenant une analyse de plantes pour voir où vous avez des problèmes, pour qu'on sache si on a une carence déjà maintenant, qu'on réagisse aussi rapidement que possible. Ensuite, le molybdène. S'il y a une carence de molybdène, ça c'était un essai. La valeur pH en dessous de 6, pardon, 5,1, donc un sol acide. Et nous savons qu'il y a une pire disponibilité de molybdène en cas de sol acide. Et on a apporté de l'engrais avec ou sans soufre, sans molybdène, ça c'est la colonne rouge. Par contre, si on ajoute 2 fois 100 grammes par hectare de molybdate de natrium, de sodium, et donc l'efficacité de cet azote est inhibée à cause de cette carence de molybdène. Et là, je ne peux que recommander de contrôler la teneur en molybdène. Et ça va peut-être coûter 3 à 4 euros et vous aurez un bénéfice de 400 euros. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte ses fruits. Ça vaut la peine. Ensuite, le thème du nombre de plantes. J'ai mentionné que si j'ai moins d'azote, je peux encore bien nourrir ma plante si je plante moins de un nombre réduit. Et dans le stade de 12 feuilles, c'est 20 à 30 plantes par mètre carré. Là, j'ai une absorption de 80 azote. Si j'ai 40 à 50 plantes, j'ai 110. Et si j'ai 80 à 100, tous les sites ne peuvent pas nourrir toutes les plantes. Si je sais qu'il y a du sable, je veux semer, je veux avoir un colza sans que la plante ait faim, il faut réduire le nombre de plantes. Ça, c'est un point essentiel qui nous va apporter beaucoup. Voilà, ça c'est déjà le résumé de tout cela. Il faut faire en sorte d'avoir la bonne densité de plantes et donc il faut ensuite il faut avoir une bonne densité de grains et donc l'altise en automne. Là, il faut faire en sorte à prendre des mesures conséquentes. Et les charançons ou la hérie du chou, là, on avait une forte pression. Il faut réagir de manière précoce et de dire « bon, il faisait froid, j'ai du temps ». Non, il faut vraiment suivre l'affaire et si j'ai une forte pression de charançon, il faut faire quelque chose. Et il ne faut pas attendre une semaine et puis, bon, encore, il faisait froid parce que jusque-là, les charançons sont passés à la phase de pondaison. Les cuvettes jaunes doivent être mises au bon endroit. Si vous n'avez pas acheté tout,
Il faut quand même mettre l'azote au colza parce que le colza et l'orge, ça, ce sont des plantes qui ont besoin de l'azote dans une phase précoce. Vous pouvez prendre un peu de temps avec le blé. Et non, en dernier lieu, je vous recommande de faire des analyses de plantes. Merci beaucoup. Un grand merci, Ferenc, de cette présentation intéressante. C'est le détail qui compte et il faut observer la plante au bon moment. Encore quelques questions venant du public. Tu as déjà répondu à la première question, c'est-à-dire la disponibilité de l'engrais. Alors, quelle est la priorité des cultures? Il faut donner une priorité au colza et à l'orge, comme tu as dit. La deuxième question, alors, quel est le bon dosage? Donc, il ne faut pas exagérer, mais quand même, pour bien nourrir la plante. Là, je dirais que si j'ai un colza qui commence à présenter déjà une feuille violette. Là, je sais qu'il y a un transfert d'azote déjà. Alors, dans ce cas-là, nous pouvons donner une quantité élevée sans d'azote parce que si on a semé de manière précoce, c'est une plante qui veut être favorisée. On a l'impression que le colza a besoin de l'azote déjà en janvier. Si la plante n'a pas été exposée à une fin, si vous n'avez pas de colorisation en violet, dans ce cas-là, le premier apport est juste pour la régénération et dans ce cas-là, 50 à 60 kg sont suffisants. Alors, on fait la distinction entre donc un changement en violette. Dans ce cas-là, il faut apporter beaucoup s'il n'y a pas cette couleur violette. 50 à 60 kg sont suffisants. Alors, quand est-ce que l'azote dans les feuilles sera à ma disposition l'année suivante? C'est facilement disponible, mais on ne peut pas compter pour cela avec le premier rapport. Alors, je dirais fin mars, début avril. Alors, ça n'a pas d'influence sur le premier rapport, mais uniquement sur le deuxième. Nous avons reçu une question. Alors, le semis, tu en as parlé, tu as parlé des altises, etc. Une question de la France, à savoir, on fait beaucoup avec les fumerolles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons vu cela l'année dernière et cette année. Alors, nous voyons que nous avons beaucoup d'azote grâce au féverol, mais ce n'est pas l'azote qui est produit, mais c'est quelque chose que les légumineuses de quoi les légumineuses ont besoin pour elles-mêmes, c'est-à-dire après la mort de la plante, l'azote est à notre disposition. Et on a vu en Saxe qu'il y avait donc énormément d'altises et malheureusement, à la fin, on n'a pas eu de différence, contrôle avec ou sans légumineuses. On a eu quelques altises également dans le blé. Tout a été détruit. Alors, je dirais
ça apporte certainement quelque chose. Mais s'il y a une forte exposition aux altises, cette mesure n'est pas suffisante. Est-ce qu'on peut à peu près quantifier cela? Alors, il y a combien d'azote grâce à une fumerole? Peut-être 50, 50 à 60 kg, mais il s'agit du temps. Alors, les fumerolles ont le plus d'azote lors de la floraison. Mais si j'ai un semis précoce, ça peut être le cas. Et il se pose la question de savoir est-ce que l'azote lié par les fumerolles est à la disposition du colza. Et donc là, dans le cas de sable, c'est possible. Avec les autres sols, on n'a pas énormément vu. Mais bien sûr, il y a aussi une certaine concurrence. La concurrence, c'est la question suivante. Est-ce que les fumerolles peuvent éventuellement faire pousser le colza? Oui, oui. Si les feuilles se touchent mutuellement, le colza se dit « Ah d'accord, il y a un voisin » et ça va pousser fortement. Il en est de même pour les mauvaises herbes. Et il y a bien sûr une concurrence dans le sol et donc en hauteur également, aussi pour la disponibilité de lumière. Mais il y a un régulateur de croissance et il se pose la question de savoir dans quel système est-ce que je vais le faire. Peut-être je vais élargir la largeur des rangs ou est-ce que je vais mettre cela au milieu. Dans ce cas-là, c'est pire, bien sûr. Une question donc du semis. Tu as dit il faut plutôt semer de manière précoce et moins de plantes. Mais de quelle date est-ce que tu parles pour le sud, pour le milieu et pour le nord? Je dirais avec les températures. Alors, il faut obtenir. J'ai compris là maintenant 900. Et donc, au sud, dans un climat plus clément, c'est peut-être le 25 août. Et au nord, c'est peut-être le 15 août. Mais il faut vraiment voir, est-ce que j'ai un problème ou est-ce que je n'ai pas de problème? Nous voyons cette année que là où j'avais un problème avec les altises déjà, je vais avoir un problème. Si l'année dernière, je n'avais pas de problème et cette année, je n'ai pas de problème, je peux dire, il ne faut pas semer très tôt. Mais je peux adapter le semis à une date plus tard. Mais s'il y a déjà beaucoup d'altises, il faut faire attention et semer plus tôt. Encore une question que je viens de recevoir. Est-ce qu'il y a des conséquences négatives si je plante plusieurs fois le colza? Absolument, absolument. Si j'ai regardé le reste des plantes, on n'a pas toujours les 36 degrés et la densité de grains. Parfois, j'ai beaucoup de champignons. Méticelles et des champignons latents. Et donc, ça apparaît au nord et ça progresse vers le sud et j'ai vu des verticides. Et si ça ne marche pas, et il y a des problèmes, et là, vous le voyez uniquement
si on a des grains de 4,5 ou 5 grammes. Donc, à la fin, on a un tonne avec la densité de grains de 100 000. Ensuite, mélange de sorte. On voit souvent qu'il y a un mélange de sortes pour avoir des périodes de floraison différentes. Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est une bonne idée de mélanger des sortes? Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Après les années de maïs en 2012-2013, on avait des années catastrophiques. Et là, on avait dit que les mélanges étaient meilleurs, mais je veux avoir une sorte avec, à laquelle je peux m'adapter avec toute ma technique de production. Et si à la fin, j'avais tout à coup 5 semaines de floraison et j'ai un risque plus élevé de sclérotine. Et il y a des situations et des années où le mélange était approprié, et, mais je ne sais pas si c'est une bonne stratégie parce que je veux savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais pour avoir les bonnes dates, pour prendre les bonnes mesures, etc. Alors, la discussion nous montre que c'est un thème très passionnant. Bien sûr, au début de l'hiver, il faut prendre quelques décisions et au printemps, nous prendrons les premières mesures. Ferenc, un grand merci et un grand merci également au public pour avoir posé les questions.